L'Égypte a témoigné de nombreuses civilisations. C'est pourquoi elle se caractérise par un environnement et une culture variés et différents. Cette diversité de cultures a produit un merveilleux assemblage de vêtements transmis d'une génération à l'autre partout en Égypte. Ces vêtements reflètent les croyances, les concepts populaires et la nature de l'environnement. Les bijoux sont représentés dans toutes les civilisations anciennes et modernes. Ils ont pour objectif d'embellir et de décorer. Les hommes et les femmes les portent pour montrer leur richesse et embellir leur physique. Comme nous le savons, l'être humain porte un intérêt naturel à la beauté et à l'embellissement. L'homme porte les bijoux depuis l'âge préhistorique. La preuve est la présence dans les tombes néolithiques des 5e et 4e millénaires avant Jésus-Christ. De perles, de bracelets, de bagues, de pendentifs en pierre colorée, en or, en ivoire ou même en argile. Des couronnes et des ceintures en cuir ont aussi été trouvées. L'or et le cuivre ont été utilisés dans la fabrication des bijoux. Les statues des dieux dont les temples portent également des bijoux. Des bijoux sont gravés sur les parois des temples, des tambours et des cercueils. Le port des bijoux a évolué avec le temps. Les bijoux sont devenus des amulettes dotées d'éléments décoratifs pour mettre en relief la beauté de la personne qui les porte. Le musée de la civilisation à El Fostat incarne le développement de l'industrie des bijoux en Égypte jusqu'à l'ère moderne. Le musée présente un documentaire sur l'histoire et le développement de l'industrie des bijoux en Égypte. En Égypte antique, l'or était le métal précieux préféré des anciens Égyptiens. Ce métal a bien sûr un aspect éclatant. Il y a deux types de bijoux. Les bijoux utilisés dans la vie quotidienne et les bijoux funéraires utilisés pour l'au-delà. Mais la plupart des bijoux étaient des bijoux religieux utilisés comme amulettes, comme le signe d'Ankh, qui est une source de vie dans l'au-delà. Il y a aussi des idolâtries faites en or, comme celle d'Horus. L'ancien Égyptien préfère la décoration des bijoux avec des coquilles, des pierres précieuses ou des perles. Quant aux couronnes et aux ceintures, ils sont faits en or ornés d'idoles.
Les bijoux sont variés, de larges colliers avec plusieurs rangées de perles ou de silex qui se terminent par une extrémité en forme semi-sphère. Ils couvraient le haut de la poitrine. Un deuxième type fabriqué de perles en rangées. Il se trouve également des ensembles séparés, chacun de l'autre, par des rubans de différentes couleurs. Un troisième type se termine sur les deux côtés par un bijou se forme de tête de faucon à la place de la semi-sphère faite en métal ou en silex. Parmi les formes les plus célèbres de bijoux et qui existent encore de nos jours figurent les bracelets et les bracelets de cheville à cause de leur force magique. Le bracelet entourait le poignet ou bien il était porté sur le bras pour former un cercle magique. C'est aussi le cas des bracelets de cheville. À l'époque préhistorique, ces bijoux étaient faits avec des os, des cornes de pierre, du bois, du cuir ou des cheveux. Il était aussi fait avec des perles, des os, des métaux ou de l'ivoire. Ces bracelets et ces bracelets de cheville étaient fabriqués ensuite en métal incrusté de pierres semi-précieuses ou de verre.
Ces bijoux étaient utilisés dans la vie quotidienne, comme décoration et comme protection, ou bien ils étaient placés avec le défunt dans la chambre funéraire. Il était peint sur les parois des temples, sur les cercueils, ou était porté par les personnes. Quant aux bijoux que l'on portait sur la tête, il y avait parmi eux des couronnes faites avec des branches d'arbres et des fleurs. Il y a aussi des rubans en tissu pour attacher les cheveux et les empêcher de tomber sur le visage pendant le travail, et aussi pour la décoration. Ces couronnes ont été ensuite fabriquées en or et en cuivre. On a aussi fabriqué des perruques avec des fils de lin, ou du laine très fin, ou avec des cheveux. Parmi les bijoux importants pour les femmes et les hommes, il y a ceux des oreilles. L'ancien Égyptien portait les boucles d'oreilles depuis la deuxième période intermédiaire, 1650 avant Jésus-Christ. Le premier roi à porter des boucles d'oreilles était peut-être Thoutmôsis IV en 1410 avant Jésus-Christ. La preuve est le lobe percé de l'oreille d'une momie. Ces boucles d'oreilles étaient en or ou en or décoré. Parmi les plus belles boucles d'oreilles, trouvées celles du roi Toutankhamon et de la reine Néfertari, selon les dessins de son tombeau dans la vallée des reines. L'homme a connu les bijoux des doigts à l'époque préhistorique. La passion des femmes pour les bijoux est restée jusqu'à l'époque islamique et s'est prolongée aux autres époques.
Passons maintenant aux bijoux bédouins, qui ont un caractère différent. Les bijoux populaires des femmes bédouines sont parmi les plus répandus et qui expriment les coutumes et les traditions. Les femmes issues de différents environnements se vantent de leurs bijoux qui varient entre les boucles d'oreilles, les bracelets et les bracelets de cheville, les colliers et les chaînes de nature bédouine. Le caractère bédouin a évolué et les femmes préfèrent aujourd'hui porter les bijoux ayant cet aspect. Les anciens bijoux en argent plaisent à la femme bédouine qui les utilise pour décorer les burqas. Elle utilise aussi de petites pièces de monnaie en grande quantité. Thank you.
En ce qui concerne les bijoux en Haute-Égypte, ils sont caractérisés par le kerdan, dont la forme et la taille varient. Il est fabriqué en or pur. Il y a aussi les bracelets de cheville, les bagues, les boucles d'oreilles, de différentes formes.